Bana baboti bakolo baike awa olibanda la pepo ya njili moto na moto seli lobalioko okati ya ye na eko yamba tata mokonzi wa biso ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tokundula bino te bokomi bwa mokambi ekolo mokomo alelo o mabele maye o République démocratique du Congo ezali sima mobembo moye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali okati ya mikili Mia Europa na boko pikolo et papi mokambe kola zubisi ka okata bokuta ni bwa ndenge na ndenge bokuta ni bonene ya bikolo bya molongo et basaki kokuta na kuna pona masolo mantina masolo mandenge na ndenge wana to komona na bilili mokambi ya biloba bongisi mibeko azali wana elongo na ministre mokonzi bazali ezala mokambi ya bilo ya bakeli mibeko Bango Basso, Bazaliwana, pour la Kotali 7 et Zali Mokolomonene, Blaise Bokokia, Yo Zali Kuna, et Paiwapi Lokoli Pingali Bongisami, pour la Kwama Mokambiokolo, Blaise Bokokia Sanza, Nazali Bango. Merci, merci également à toute l'équipe technique, très chers téléspectateurs. Grand pour nous le plaisir de vous retrouver dans cette retransmission en direct du retour officiel du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kinshasa, après bien sûr son périple en Israël, en Italie et en Écosse où il vient de participer. Précisément en Écosse, à la COP 26, c'est le président Tshisekedi qui rentre après sa brillante intervention, hein, il faut le dire, en Écosse, à Glasgow, pour parler justement, porter la voix de la République démocratique du Congo. L'RTNC, chaîne des grands événements, nous ne cesserons jamais à se le dire, nous y sommes. Personnel et logistique mobilisé ici pour vous donner en temps réel ce qui va se passer ici à partir de l'aéroport international de Njili et nous sommes précisément devant le pavillon présidentiel. Le décor est donc planté. Vous verrez que les officiels sont déjà là, les cavaliers sont déjà mobilisés. Le président Tshisekedi va atterrir d'un moment à l'autre ici à Kinshasa. Accueil délirant ici à partir de l'aéroport. Accueil délirant également, vous allez le vivre au sortir du pavillon présidentiel. Il y a une foule immense qui est rangée sur la route nationale numéro 1. Et selon certaines informations en notre possession, cette foule s'est mobilisée à partir de l'aéroport d'Onjili jusqu'au niveau de la commune de Kintambo à l'entrée de la cité de l'Union africaine, la résidence officielle du président de la République. Donc le décor est planté. Hein. Les corps constitués est déjà mobilisé ici. On a signalé la présence du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, la présence du président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso Kodiampouanga, la présence également, nous l'avions vu, de Modeste Bati Lukwebo, président du Sénat, et quelques ministres ont fait le déplacement, les honorables députés et sénateurs, ils sont également ici pour réserver cet accueil délirant. Et la RTNC est mobilisée pour vous donner en temps réel ce qui va se passer ici à partir de l'aéroport international d'Onjili et justement devant le pavillon présidentiel. Nous y sommes et nous y resterons jusqu'à la fin de cette retransmission en direct qui est chapeautée par Pecho Mubenga, le réalisateur. Nous allons décortiquer les temps forts qui ont dominé le périple du président de la République
tant en Israël, en Égypte qu'en Écosse. Nous allons retrouver tout à l'heure Mathieu Moudibangou et Wivin Njata pour vous donner réellement ce qui s'est passé, que le président de la République a déployé comme activité. Mathieu Moudibangou, je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Beaucoup qui a qu'il toi dit n'a maté moudi bambou et me bakama awa sam na kumonita penza moutindou 15 yangou kusa salama ya kuyamba fumia ici fait son toi sike chilombo matondo mingi blaise beaucoup qui a awa nangande bet me bakama migi penza na kumona pene kuna ba député nationaux na ba sénateur ba union se me kusa bakama penza na kuvigila fumia ici fait son toi sike chilombo mbamba veyan me katuana zitu le anene na ba insi ya banzinza na kusola pene kumonita kinduku yambote na ba insi ankaka wapi ya me katuana kumonita douce na badukutakanu ya nene yovanda dukutakanu ya COP 26 sema katua kuna pe G20 nyose miksa salama kuna betazabisa beloti awa nambanda Kinshasa mpamba vena nganda avion tupi andeke na mfumo lualu mfumo lualu miksa mwona penza mingi penza na beto ya nina kiksa mwona penza na kufingila nige kusa bima taya na balabala bantuke na tukutuko kikusa sepela bantume bakama na balabala mingi penza mikusa fuluka na kufingila mfumo ya insi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yeye katuka na nzitulo na kusa munisa ana insi nebeto. Mathieu Moudibangou mungefa na vila yeti yoke bonsu lo mungu. 15 ya mbalazo na kusa ya mapesa mfumu ya insi. Yantete ba na insi kusa munisa lo kiesa mwano kiyambani bonso. Mtuadisi ya ba insi Afrika ya Union Africaine. Yeye ke bonsu ya mbalazo le na kusa ya mbani pi. Ame katuka na nzitulo ya nene na kumunisa penza ba insi Afrika. Kusolampe na ba insi Ankaka na kupesa nzilati. Ba insi Afrika kukwena na ntuala ya uina ba senateur, ba député. Peba mbuta luyalu bame kusa bakama awa penza mingi na kusa ya mafumu ya insi ya meka tuka na nzietilo depo na vila veti nzietilo la yandi mepesa nzile na insi na beto na kutumbula bisalo bosu ya mimbungu na kompani ba mambu ya mutindo mutindu na kusona ba insi ya nkaka na kusa sabi bisalo na insi na beto vile mikusa pesa penza nzile ya mbote na bitukwa bege mwona penza mpolisi ya inzo ya kizonzi tope ya Assemble National mboso koja pe ya Sena nani ina mekusa bakama mbina baati jipebo pena kumwa lialu ba mekusa bakama penza ba unyoso tatu ba ina kipi nana kusa vingila kumi ya nisi kipuna taba liki ba unyoso mekusa solola na kuyamba nukula kuba kuyamba ke monita team kituku kimpangi bozo la nji samu vete zola nge vete kusa yamba nge kusa monita penza kinduku ya mbote mpangi mate mulibambu ndinga nge tala kese kusa monita penza tala balabala nyeo nge maloba na yu vinjata ya solo libanda la pepo ya njili ezali bato na mobembo te kasi ezali ba eposo basangani meke ba uti okati ya République démocratique du Congo ngwa mokonzi Kinshasa pona koyamba papa ya bana kolisa to teke kilombo ona zali kozonga lelo basi ma mobembo ya mwa mikolo pepo ya mokambe kolo na mokiti wango kata libanda la pepo bokozanga te komona bilili kasi ba eposo bazali wana bakambi misala ya eta bakambi misala mike batondi sami pe lisusu bambotama soko tana libanda kuna ezali esika kotya lokolo te bongo na maloba ya ndeko ya ngai place bokoki atali sete ya solo bato bayebosa komona bazali kaka na libanda ya pepo ya dilite babandi Kinshasa mobimba soko okei boulevard Lumumba okei kino soko na tangi bakomi na kotanga pe na komini tukumi bale na misato bazali meke batondi kino na kitambo ukaliema nzela nyonso etondi na bato mokambi ngwa mokonzi Kinshasa jatilingo bila ye wana bazali baebaso bazali na mwa komite elengela mi na libanda mpona kwa mokambi koyo mpo bate bateli babongisi mibeko bayimbula matai bazali meke okati awa mpona koyamba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mobembo moyo ya sali na kati ya mikolo ndakisa omabelema Israel kuna na Jérusalem asukaki wana te akomi kino na Italie Lengumba Roma akei kino kokoma na Ecosse na plateau masomana maboti mbuma mpo na République démocratique du Congo na kotali sete mongongo wa RDC bozali koyoka mela mokolo na mokolo epai na mokambi ekolo kati ya mikolo ya bapa ya kotombola lolendo lokumu ya République démocratique du Congo mpo na nini kaka RDC pamba te kasi ke mokili mwa Afrika lokola boyebe ezali mokambi ya lisala likolo ya mokili mwa Afrika talakati na yoka te banda ya pepo meke kosalatina komoyamba ezali mbala ibale mbala yambo oyelo kautaki omabele ma addis abeba na ethiopie okita waye bato bazalaki baike kasi ya lelo na loba te batondi meke ngai namoni ete ezali kotalisa kaka elembo ya bolingo ya bana epai na papa ya bango blaise bokoki
Merci beaucoup Mathieu Modibangou. La mobilisation est totale. Hein. C'est vraiment une démonstration de force d'un peuple qui est déterminé à soutenir les actions de son chef, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous l'avions dit, et qui rentre aujourd'hui à Kinshasa après avoir déployé beaucoup d'activités diplomatiques à l'extérieur du pays. Une façon de communier avec le garant de la nation et soutenir les actions. Les actions qu'il mène pour porter la voix de la République démocratique du Congo à travers le monde. C'est la raison pour laquelle, très chers téléspectateurs, nous sommes donc ici au niveau de l'aéroport international d'Ondjili et justement devant le pavillon présidentiel où va atterrir d'un moment à l'autre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous l'avions dit. Les honorables députés et sénateurs ont fait le déplacement de l'aéroport international d'Ondjili. Les corps constitués, vous le remarquez même au travers de ces belles images qui vous arrivent sur votre petit écran, mais juste pour nous faire un petit retour sur les activités que le président a déployées en Écosse à Glasgow à la sommet à la COP 26. Au deuxième jour par exemple des travaux de la COP 26 à Glasgow, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a poursuivi son plaidoyer en faveur de l'Afrique et de la République démocratique du Congo. Rien que pour cette journée de mardi, donc 2 novembre, le président de la République démocratique du Congo est intervenu dans plusieurs groupes de travail et en bilatéral et en multilatéral. L'une des interventions qui aura marqué, très chers téléspectateurs, la journée de mardi par exemple, est celle sur les infrastructures et le climat en Afrique, aux côtés de son homologue américain Joe Biden, le président donc américain, du Premier ministre britannique Boris Johnson et de la présidente de la Commission de l'Union européenne. L'Afrique, très chers téléspectateurs, et la République démocratique du Congo sont prêtes, impatientes et désireuses d'expérimenter une nouvelle façon de voir avec leurs principaux partenaires héros américains en vue de créer ce monde meilleur et que nous voulons, celui auquel aspire notre jeunesse et que léguerons aux générations futures, à d'emblée affirmé le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son intervention à la COP 26. Il s'est appesanti également sur l'importante problématique du développement des infrastructures, et avec la volonté de reconnaître un monde meilleur et plus durable. Le président en exercice de l'Union africaine, chef de l'État congolais, a mis en évidence toutes les contraintes qui freinent l'élan du continent africain et intensifié ses investissements en infrastructure afin de soutenir la croissance, son économie et les besoins de sa population. Et en rapport justement avec le réchauffement climatique, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait dit que la République démocratique du Congo est un pays et solution avec bien sûr la gestion de sa forêt et de son bassin, parce que la RDC regorge une forêt, la deuxième forêt au monde après l'Amazonie. Donc avec cette forêt, il est fort possible que le réchauffement climatique puisse être contenu par cette forêt en République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs, nous poursuivons cette retransmission en direct. Vous le remarquez, c'est vraiment la joie sur le visage des uns et des autres. Une démonstration de force que nous vivons ici à partir de l'aéroport international d'Ondjili. Accueil délirant, nous l'avions dit, au niveau devant le pavillon présidentiel. Accueil délirant également sur la nationale numéro 1. C'est bien le prolongement du boulevard Lumumba, nationale numéro 1, qui commence à partir de bypass, au croisement bypass et la route nationale, la route de Matadi numéro 1, et qui se poursuit jusque vers Sakania en passant par Kikwit, Chikapa, Kananga, Mbujimai, Mweneditu, Kabinda, Likasi, Lumbashi et jusqu'à Sakania. Voilà, nous y sommes pour cette retransmission. Très chers téléspectateurs, Mathieu Moudibango est là, Ruben Djata est là, toute l'équipe technique de l'RTN s'est donc mobilisée pour vous donner en temps réel tout ce qui va se passer ici à partir du pavillon présidentiel à l'aéroport international. Bangi, Facebook, Kokia, Bitcoin, Bakama.
Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo va descendre de l'avion pour surtout les officiels qui sont ici au niveau de l'aéroport international de Ndjili devant le pavillon présidentiel. Mais il aura également salué cette foule immense qui s'est massée tout au long de la route nationale numéro 1, le prolongement de la du boulevard Lumumba. Vous le remarquez, beaucoup de partis politiques ont mobilisé leurs membres pour venir réserver un accueil chaleureux et délirant au président de la République. L'aéronef s'arrête et qui est guidé par un agent de la RVA, ceux qui sont habitués à guider les avions lors de leur atterrissage. L'avion qui s'est déjà arrêté et les moteurs s'arrêtent d'un moment à l'autre. Ça sera la descente du président de la République, mieux du couple présidentiel de l'aéronef pour saluer cette foule immense et qui a fait le déplacement à l'aéroport de Ndjili. Nous l'avions dit sur le tarmac. Nous avons le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, nous avons le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosoko Diampwanga, nous avons le président du Sénat Bat Lukwebo, mais ce qui est vrai est que le président de la République à bord de cet aéronef, certainement, il est accompagné de quelques membres du gouvernement qui ont fait également le déplacement des Glasgow, et notamment le ministre de l'Aménagement
du territoire, Guy Luando. Et nous osons croire qu'il y a également le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, qui a fait aussi le déplacement de l'Écosse pour participer à ce grand rendez-vous de la COP 26. Nous allons découvrir les gens qui font partie de la délégation présidentielle dans quelques instants. Mais Mathieu Moudibangou, la mobilisation est totale. C'est vraiment une véritable démonstration de force que nous allons vivre aujourd'hui à partir de Ndjili jusqu'au niveau de la commune de Kintambo à l'entrée de la cité de l'Union africaine. La population s'est massée pour réserver justement un accueil délirant aux garants de la nation. Mama Yabana, Les Bokokia, Otto Zilaki, Tomoni Lamiso.
heureux qui, comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui regagne la terre de ses ancêtres après un périple à l'extérieur du pays. Eh bien, très chers téléspectateurs, voilà, c'est le couple présidentiel qui descend de l'avion. Voilà, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec à ses côtés sa tendre épouse, Madame Denise Nyakeru, qui regagne donc la République démocratique du Congo après un séjour de plus d'une semaine à l'extérieur. Je disais tout à l'heure, heureux comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui regagne son pays et qui est accueilli chaleureusement par les officiels qui sont là. Modeste Bati Lukwebo, président du Sénat, Mbosso Kodian Poanga, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, très détendu, en chemise chemise manche longue, très détendu, le chef de l'État, qui passe donc les officiels avec à ses côtés sa tendre épouse, Denise Nyakeru, qui s'achemine vers le pavillon présidentiel après sa descente de l'avion présidentiel. Voilà, il contemple ces officiels qui ont fait le déplacement de l'aéroport pour voir comment les choses se passent à l'aéroport international de Njili. Un peu chemise du marque un peu Patéon, comme les grands couturiers ivoiriens. Et nous espérons que ce n'est pas Patéon, mais du moins c'est une chemise bazar qui va mieux pour le chef de l'État et qui salue les officiels qui ont fait le déplacement de l'aéroport international de Njili. Il n'y a pas seulement que des civils, il y a également des officiers militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et également de la police nationale congolaise. Félix Tshisekedi Tshilombo, vous le remarquez, très très content de vivre cet accueil si chaleureux et délirant, très chers téléspectateurs. Nous l'avions dit, c'est de part et d'autre du pavillon présidentiel qu'il salue chaleureusement ces officiels qui ont fait le déplacement à l'aéroport international d'Ondjili. Vous allez certainement le remarquer après le pavillon présidentiel. J'espère que le chef de l'État n'aura pas à faire beaucoup de temps au niveau du pavillon présidentiel, peut-être juste une petite pause avant de sortir du pavillon présidentiel et pour prendre sa jeep officielle et qui est juste devant, et le cortège présidentiel va se diriger vers le centre-ville. Nous sommes en possession de certaines informations qui nous confirment que c'est à partir de Njili jusqu'au niveau de la commune de Kintambo, le président de la République va vivre un accueil chaleureux. Il l'a vécu pendant qu'il était le président du parti, l'UDPS, son parti, mais aujourd'hui, il va le vivre pendant qu'il est président de la République. Ça sera peut-être le premier accueil réservé de ce genre, réservé au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, qui va vivre tout à l'heure cet accueil de l'aéroport de Njili jusqu'au niveau de la maison communale de Kintambo. Il salue chaleureusement et il est toujours avec son cache-nez, une façon de dire qu'attention, peuple congolais, Covid-19 n'a pas encore disparu, il est là, il faut se protéger. C'est un bel exemple qu'a toujours donné le garant de la nation à la population congolaise. Il salue l'honorable député et sénateur également qui ont fait le déplacement de l'aéroport international de Njili. Merci à toute l'équipe technique pour ces belles images qui nous montrent le couple présidentiel et qui prouve également à suffisance que la radio-télévision nationale congolaise, c'est une chaîne des grands événements. Nous l'avions dit, il n'aura pas beaucoup de temps à passer au niveau du pavillon présidentiel. Il va juste peut-être faire l'entrée de ce pavillon présidentiel et sortir immédiatement et retrouver sa jeep et prendre le cortège présidentiel pour se diriger vers sa résidence. Ce sont les honorables députés qui ont déjà salué le président de la République. Ils vont devoir rejoindre les véhicules qui ont été déployés pour la circonstance. Tshisekedi, visiblement, il est heureux
son expression faciale montre à suffisance qu'il est très content de regagner le pays et s'occuper et surtout de la politique nationale hein, aujourd'hui dominée hein, par cette incursion des rebelles au niveau de la ville de Bukavu, le gars de la nation, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, est très attaché à la sécurité du pays. C'est peut-être ça qui a écourté son séjour à l'étranger pour suivre de près, la situation sécuritaire dans la partie est du territoire national. Nous parlions tout à l'heure de l'incursion des rebelles à Goma, mais ces rebelles ont été immédiatement matés par les forces loyalistes et que ces rebelles étaient en débandade. Quelques arrestations ont eu lieu, je disais, et nous allons savoir réellement dans les jours à venir c'est les motifs qui ont poussé à ces rebelles de venir envahir la ville de Bukavu. Aujourd'hui, la situation est redevenue anormale. Vous aviez suivi hier la tenue du Conseil provincial de sécurité. Le gouverneur de la province du Sud Kivu a rassuré les uns et les autres que la situation est revenue à la normale. La population vague depuis ce matin à ses multiples occupations. Très chers téléspectateurs, nous allons vivre d'un moment à l'autre la sortie du président de la République du pavillon présidentiel. Et vous remarquez que les officiels qui ont fait le déplacement de l'aéroport de Ndjili regagnent déjà les bus qui sont déployés pour aller récupérer leurs véhicules qui se trouvent du côté de l'aéroport civil. Ici, nous sommes au niveau des pavillons présidentiels. Nous attendons d'un moment à l'autre la sortie du chef de l'État, le garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo, qui va prendre part à bord de sa Jeep et prendre le cortège qui va se diriger vers la cité de l'Union africaine. Et je vous le dis et je le redis que le chef de l'État aujourd'hui sera très édifié par l'accueil lui réservé par la population congolaise, parce que depuis l'aéroport de Ndjili jusqu'au niveau de la commune de Kintambo, la population s'est massée, une foule immense pour réserver un accueil délirant au garant de la nation, Wivin Jata. Ma tundu mingi mpangi blesse beaucoup kia bitme tu bati ome bati suka kwa pana fe si na komina ngalima na komolisa ti fumi ya isi memona ke mama yandi na mama Denise Nyake huti sekedi ani mekisa baka mapenza na salon presidentiel na watu bina ni makuyamba yandi na nganda yandeke yanjili yende mekisa baka mampe apema pamba ve na bimadia kasamu na kubaka nzila mpangi nusulu bemona bati na balabala haba mekisa fuluka mingi awa na nganda yandeke yanjili yanjili Banku yango mesuka awa te. Kana bime mwana awa, lukele mtingi ve. Sa mwana kusa kingile prezantu mye isi, Felix Ntay Sike Chilombo. Yume banda awa, banda wa komina beto, Masina, Mkimbanseke, Njili, Limete, Kwendati, Bakasabubu, Luta, Lingwala, Nkitambo, Ngalema, Bantu mefuluka na kufingila mfumu ya isi, Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Samu na nina kumulita mwenda kiese, Lusolo ya mbote, Kinduku, Kimpangi, Tata, Yadibuta nini, Yadisi, RDC. Nansi, tuna nina mikatoka kumulita mwenda baisi ya banzenza, Kinduku ya mbote, Lusolo ya mbote, mingi. Baisi ya nkaka, yao ina mikisa kita, samu na bana isi, kepe sa kiese, yene mikisa bakama na salon presidentiel, neba mpangi ya nga, tala, Mwenye mwana antolisi ya inzi ya kizondi nani na mboso koja Kwanga mwisa bagama penja panam Mwena diaka bati lukwebo Yani nani kisa bagama panam Yani na presiden ya asamwe nasunan Bakisa sola presiden mfumu ya inzi mpamba vea Mekatuka na nzitula ya nene Na nzitula mekatuka andi bilisaka bao awa Kwa na solola na kumwenta ni mwandambu Mwuchini wa kusabigana na inzi Mboso yani kata nikisa bako na solola Bako kisa pema nani mabima Tana langanda batu nikisa kuluka Na kumwenta kese luzolo Kinduku ya mbote kwenye kuyamba tata ya isi. Yeye mikatuka na nzitula ya nene ya kusola mafumu ya isi mingi. Ame sola mafumu ya isi Amerika. Ame solola pena kinduku ya mbote mekisa kutuka mingi penza na isi ya Israel. Mikisika mekisa baka diplomu ya lukumu. Na kumwenisa penza kia teleka mamikisa na malungi na mtini mosi ya mbote. Menisa bati kinduku ya Israel kufuka mafula mingi. Mtini mekisa kutuka. Sama kutuka mbote ane kitariaka. Kisala baum. Yuge mwenisa penza kese kinduku ya mbote penza ya uina amikisa kutuka na kufutuwa na mbanta kinchasa yunukisa mwonisa penza kese nina mbana yinsi yunukisa mwonisa ana nganda ya ndeke ya njili na kusa ya mafumi ya yinsi Felix Ntay Sike Chilombo
Il faut aussi rappeler, très chers téléspectateurs, que lors de son périple à l'extérieur du pays, le président de la République a rencontré plusieurs de ses homologues, notamment le président américain Joe Biden, le premier ministre britannique Boris Johnson, avec qui ils ont signé une convention qui portait sur plus de 500 millions de dollars, ce qui est une véritable bouffée d'oxygène pour l'Afrique, notre continent général et la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré également le président Denis Sassou Nguesso du Congo Brazzaville. Il a rencontré Emmanuel Macron, le président de la République française, et tant d'autres chefs d'État qui avaient fait le déplacement de l'Écosse pour participer au sommet de la COP 26. Et au cours de ce sommet, il faut le rappeler, très chers téléspectateurs, avec à peine 62 milliards de dollars disponibles pour développer les infrastructures en Afrique sur les 130 à 170 milliards de dollars attendus, les États africains ne pourront manifestement pas maintenir les niveaux de croissance économique de ces dernières années et faire reculer la pauvreté et ses impacts sur les écosystèmes. Ce triste constat, disait le chef de l'État, qui découle d'un rapport de la Banque africaine de développement, a renforcé la conviction du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, selon laquelle les pays africains auront du mal à atteindre le seuil de développement en infrastructure tant que le cap financier oscillant entre 68 et 108 milliards de dollars ne sera pas bouclé. Face à cette situation, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'Union africaine, a appelé à de nouveaux choix ou mieux de nouvelles stratégies innovantes. Dans un contexte caractérisé par la lassitude des donateurs et l'augmentation de nouveaux endettements dans les pays les plus exposés, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a souligné qu'il faut trouver de nouvelles approches pour développer les continents africains. Évoquant la situation de la République démocratique du Congo par exemple, le président Tshisekedi a indiqué que le pays s'est investi dans une approche particulière en combinant le développement de ses ressources minières avec celui des infrastructures essentielles. Pour Tshisekedi donc, des solutions innovantes sont possibles, et pour autant que les leaders des pays donateurs et récipiendaires en manifestent la ferme volonté politique. Et Félix Tshisekedi d'ajouter que l'Afrique et la RDC sont prêtes à engager des discussions immédiates sur un portefeuille de projets pour des investissements concrets et catalytiques transcendant tous les obstacles possibles et imaginables jusqu'à leur réalisation. Une ambition que les deux parties a-t-il dit porteront essentielle. Dans une autre session dédiée aux forêts et à la gestion du climat, du réchauffement climatique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a démontré toute l'importance du massif forestier et des écosystèmes de la République démocratique du Congo. Le monde entier doit agir afin de protéger ce poumon mondial. Peut-on retenir de cette brillante intervention le mardi dernier, car la République démocratique du Congo est présentée aujourd'hui comme un pays solution. Il n'a cessé de le marteler et la voix de la RDC a été portée très haute par
le président de la République, un discours qui était suivi attentivement par tous les grands du monde. Et il a raison de le dire parce que la République démocratique du Congo regorge la deuxième forêt, hein, plus grande après l'Amazonie. Et nous sommes au Brésil. Il est dans le pavillon présidentiel, nous l'avions dit, disposition sécuritaire déjà prise. Le président confère avec quelques membres du corps, diplomatique qui sont avec lui au niveau du pavillon présidentiel. De très chers téléspectateurs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes bel et bien ici à l'aéroport international de Dili, où le président, le couple présidentiel venait d'arriver, de regagner la capitale après un séjour de plus d'une semaine à l'extérieur du pays, un séjour fructueux pour la République démocratique du Congo et pour l'Afrique, parce que le président Tshisekedi est non seulement le président de la République démocratique du Congo, mais également le président de l'Union africaine. Les discussions continuent au salon présidentiel avec les membres du corps diplomatique. Nous l'avions dit, d'un moment à l'autre, le couple présidentiel va devoir sortir de ce pavillon présidentiel pour prendre part à bord de leur jeep. Et le cortège va se diriger vers le centre-ville Kinshasa. Tout au long de son passage, nous ne cesserons jamais à se le dire, le président va découvrir une population massée, une grande masse de la population qui l'attend dehors, vous le remarquez. Merci beaucoup Pecho Mubenga, vous le remarquez avec au travers de ces images. Et cette masse part de l'aéroport d'Ondjili jusqu'au niveau de la maison communale de Kintambo. Tshisekedi va vivre aujourd'hui un accueil délirant. Et on ne se trompe pas, Mathieu Moudi Bangou. Le président va vivre un autre spectacle aujourd'hui, contrairement à ce qu'il a l'habitude de vivre aujourd'hui. Tout le décor est planté, une démonstration de force, comme nous l'avions dit au début de notre intervention. Les partis politiques et membres de l'Union sacrée ont fait mobiliser leurs membres, vous le remarquez, au travers de ces drapeaux de partis politiques, ils ont fait mobiliser leurs membres pour réserver un accueil délirant au chef de l'État. Maloba mayo Blaise Boko qui a fait bilili, bizarre comme on dit ça, ma oeleko et mon cambiekolo, pe molonga niwaye, maman a yamboya ban eko Congo démocratique, Denise Nyakero Tshisekedi, bazoami naino, au katia salon présidentiel, pour moi, bopé moke, aussi ma kokitana pepo, bango babale, mon cambiekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on a molonga niwaye, na mobembo, yamoua mikolo kole kapena, poso mobimba, et yé, eko la biso Congo démocratique, au katia libanda, Masolo Matina Penza Maya Utiko Kabola, pour la Kotombola et Zalokumu ya Ekolo. Kasina Libanda, Soko en Katia Lopango, Boko Bakelimibeko, Bungibeko Bakambi Bazalaki, Bongo Molongo Mwabato, Nakobenga et Tuluku Yabato, Bazomi Kuna Libanda, Eska Kotia Mwa Zolo et Zalite, Eska Kotia Loko, Zalite Bazali Meke, Bango Baso Bendelo Maboko, Masangani Masangama politique, Ndenge na Ndenge Mazomi Awa, pour la Kotali sa Esengo Yabango, Koyamba, Mokambe Kolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Bongo Kuno Katia Salon Présidentiel, Azwami, Kakara Molonga Nwayete, Pambate, Mokambe Bilo Bakelimibeko, Christophe Mboso Kodiampwanga, Mokambe Bilo Babungsimibeko, Modeste Bati Lukwebo, Bakisa Ministre Mokonzi Jean-Michel Samalukonde Kenge, Bakambaike, Bazaliwana, Kotalisa, Lolege Kani, Eko Kongo Démocratique, Zansima Mokambe Kolo, Kosa Mobembo, Mwa Mikolo, Lolege Kani Makamama, Somaza Kotambola, Onsima, Ezali, Ele Kuelam Yabosombitini, Makanisi, Kota Lolege Kani Mayemaso, Mazali, Okate Kola, Kongo Démocratique, Mon Pepe Mwasika, Nana Kobenga, Mon Pepe Mwasika, Osima, Yamobembo, Mokambe Kola, Salina, Mokili, Mwa Europa, Lelo, Yewana, Silko, Koma, Aor, République démocratique du Congo, et répond à l'okumu ya RDC, et répond à l'okumu ya Mokilmoa Africa, Pambate, Zakat, Mabele, ma Écosse, à l'obéla Kinatina, ya Africa, et Salakuna, na Italie, na Likita, la G20. G20 Zali Sanga, ya Bikolo, Tukibale, Bitomwama, Okata, Mamma, Ndenge, Ndenge, Molongo, Okata, Likita, la Bango, Félix Antoine, Tshisekedi Tshilombo, Zwa Kinkasa, pour la Kozwa, et Sika, ministre Mokonzi, Jean-Michel Samalukonde, Yewana, Zali Kobendana, pour la Kobemamo, Moke, et les Mwabotar, c'était Mokambio Kolo, Pene, Nakobima, et le Mwana Molonga Bangoana, Okati, ya Salon Présidentiel,
Félix Antoine Seke Chilombo, Mama Denise Nakeruti Sekedi, et les mois votants, c'était Yasolo, na Mokambi Alingomba, la politique au Mikolomie, et beaucoup Makambi, Bazaliwana, Mokambi Kolo, Mokambi Alisangala, Mikobi, Okimo Afrika, Yewana, Félix Antoine Seke Chilombo, Kobimawane, Zaiko Kende, Pona Kozo Motuka, Kasi, Bato Bay Bazaliawa, Bazali Naino Mingete, Bay Bazomi Okati Anzila, Bazali Meke, Bazali Meke, Bandimi Mangomba politique, Maso. Baton Samiwana, pour la côte de la côte, papa biso, maman biso, basongi lelo, esegeri biso, bana bango, tokende, to yamba bango, na esengolo renge balo bakanalinga la papa ye, nzali sili, masomana, maze kote lisa, esegwe kasi, ezako moun saba, ao kata libanda pepo, yanjili, blesbo kotia. Voilà, merci beaucoup Mathieu Moudibangou, le président qui échange avec quelques officiers de l'armée de la police nationale congolaise, notamment avec le responsable numéro 1 hein, de la garde républicaine et qui quitte le pavillon présidentiel avec à ses côtés Madame Denise Nyakero, son épouse, le couple présidentiel qui salue la population et qui va devoir prendre part à bord la Jeep présidentielle qui va prendre le cortège présidentiel et qui va mener justement vers la cité de l'Union africaine pour traverser hein, beaucoup de communes, la commune de Massina, Kimbanseke, la commune de Matete, la commune de Limete, la commune de Kasavubu, la commune de Lingwala, Bandalungwa, Ngiringiri. Ne nous demandez pas hein, la destination, mais nous savons seulement que le président de la République et le couple et sa tendre épouse quittent déjà le pavillon présidentiel ici à l'aéroport international d'Ondjili. Très chers téléspectateurs, regardez la voiture, la Jeep présidentielle qui passe juste devant le quart de reportage de la RTNC. De loin, je vois le président qui a jeté un regard hein, sur le quart de reportage de la RTNC. Une façon de nous dire que mes enfants, je suis content de vous. Et vous m'accompagnez chaque fois et quand le besoin se fait sentir. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Je suis en train d'analyser hein, le regard présidentiel et le couple présidentiel qui quitte donc l'aéroport international et d'Ondjili. Très chers téléspectateurs, vous le remarquez, ce déploiement, ce dispositif sécuritaire qui accompagne le cortège présidentiel jusqu'au niveau du boulevard Lumumba, c'est bien, qui est sur... la route nationale numéro 1, les militaires qu'on appelle communément Chikata, et qui sont juste à côté de la Jeep présidentielle et qui va déboucher sur la route nationale numéro 1. Et une façon pour nous de vous dire, très chers téléspectateurs, après son séjour à l'étranger, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a regagné Kinshasa, la capitale, ce jeudi 4 novembre 2001. Et plusieurs partis politiques et regroupements de l'Union sacrée de la Nation ont appelé la population à se mobiliser aujourd'hui à l'aéroport international d'Ondjili pour lui réserver chaleureusement dans le respect, un accueil chaleureux dans le respect des gestes barrières contre la pandémie de la COVID-19. Il s'agit notamment de plusieurs partis. On peut citer l'AFDC de Modeste Bati, le MLC de Jean-Pierre Bemba, l'UDPS et elle Tshisekedi, la CCI aussi hein, de Lambert Mende et tant d'autres partis et politiques membres de l'Union sacrée. Et ces partis politiques et les forces vives membres de l'Union sacrée de la Nation ont appelé la population congolaise à se mobiliser pour réserver un accueil chaleureux et s'amassant le long du parcours qui emprêtera les cortèges présidentiels et le respect des barrières, gestes barrières. Nous l'avions dit, le président qui s'arrête un moment, certainement qu'il il s'adresse, il cause avec quelques... Bon, il est descendu, hein. Ah oui. Nous, on s'y attendait, mais en parlant avec les services de sécurité, on disait, est-ce qu'il va descendre, il ne va pas descendre, voilà, il est descendu de sa Jeep, et avec à ses côtés, Madame Denise Nyakero, il va saluer cette population qui a fait le déplacement à l'aéroport international d'Ondjili,
une façon pour le président de la République de créer à la fois une proximité géographique et psychologique avec cette population. Et nous osons croire que les services de sécurité vont faire vraiment du travail. Hein. Parce que quand nous avions fait un petit tour avec Mathieu Moudibangou pour voir réellement ce qui s'est passé sur la nationale numéro 1, on s'est rendu compte qu'il y avait une foule immense et le président qui descend et au service de sécurité de jouer leur partition pour sécuriser bien sûr le garant de la nation, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, et qui est allé vraiment à quelques centimètres près vers la population. Et vous le remarquez, hein, très chers téléspectateurs, il faut le faire, il faut aimer son peuple et pour créer cette proximité à la fois psychologique et géographique avec sa population. Une façon pour cette population de dire, Tshisekedi, allez-y, nous sommes derrière vous, organisez les élections en 2023, nous allons encore vous soutenir davantage et vous confier le deuxième mandat jusqu'en 2028. On a entendu ce slogan, hein, Mathieu Moudibangou, nous ne créons pas, c'est ce que nous avions entendu, parce que le reportage, est-ce que nous avions appris sur le banc de l'école, c'est ce que le journaliste a vu, c'est ce que le journaliste a entendu. Nous avions entendu cette population, plus que jamais déterminée, à entonner des chansons à la gloire de Tshisekedi pour lui dire que nous sommes derrière vous, allez-y, jusqu'en 2023, organisez les élections dans les délais prévus par la Constitution. Nous allons encore vous confier notre mandat, allez jusqu'en 2018 et réalisez votre programme d'action et nous osons croire que cela va se réaliser en 2023. Mathieu Moudibangou. Yango wana ezoko monisa mana bilili ata ko motalobi te na maloba ye kasi bilili bizoko monisa malolenge kani bango baso mituka na sima mokambe ko pe molonga liwaye bango wana na makolo o katikati ya bato baye baye pona tina ko mba bango mangomba ba politique maye bazali maike awa soko totali katikati na mangomba politique kwa Congo démocratique baike bazali soko na bandiko tanga na kokoka kutu te pamba te bazali meke ndira mobimba kokende kino kokoma na kitambo na ngalie makuna bazali meke kasi maso mazo ko tali sani mazo ko tali bulingo o bazali mituka cortège mokonzi yango ni soko kena na yango moko mokonzi sali kuna na liboso elongo na molonga ni waye ba ko tambo na makolo pamba te bazane songo ko pesa mbote na bambota ma mbote na bakambi ba imba sanga politique ba to ndenge na ndenge ba bazo mikuna pamba te ko bana ngonga ya sambo to pe 7h ya tongo bato bazalaki basi batondi meke awa kino ngonga ya zomi na motoba moto tako kenonda ko yaye moto tako zo mo pepe elakisi ete soko tokolala tolala kasi biso toyamba be papa biso mama biso baiba bimaki bazongi yango nde ezali loba na bilili biyebisa komona nsama okata radio télévision nationale congolaise ezaka na biso tango iso kata misala minene ya ekolo eteka kasi matin eza kotalisa soko tolobi ete tokende tokokoma kino wapi bokobona kaka boye nzile mituka mitele mingwamangwama nzila kolekeza lite pona ni nzile zalite pamba te bato bazali meke okata libanda ya balabala monene ya Lumumba bato bazali meke tala mituka moko na moko ekokene malembe lokola be kameleyo esika kokene mutuka mbangu ezali te mokambe kolo ye moko liboso na molongani wa ye tala kasika lolenge esengwa bana kolo Congo démocratique Eza kumoni sama, eza baza kulanda biso kata bituka biso, pambate RTNC komeli bango, nampoto, bipai, miso ezali kumona, mozali nzeneneke, yomoko pambate osa kulanda ngo kata radio televizyon so kongolese olenge, boyambi bonene, boyambi alokumu, boyambi esengo, eza kumoni sama, wala boulevard Lumumba, tosito bimi mwa wokena libanda pepo anjili, kasi tosalibe kokoba kokende, tosalibe kokoba, olenge kani yeme, azali wana na bato, bato baike, bato ba wuti bipai, baso, ezali, lolenge de kwangai blesi moko kia labaki, ezali mbala yambo na komone tuluku ya bato lolenge loye, ezali mbala yambo, kasi, tangwa wutaki okati mabele ma Etiopi, basa laki, mingi boete, lelo ezali, tuluku, bazali, meke, mituka, mbama, bato baike, esika kocha lokole ezali te, blesi moko kia, nalo banini.
L'on ne cessera jamais assez le dire, très chers téléspectateurs, la radio-télévision nationale congolaise est une chaîne de grands événements. En voici un hein, que nous venons de vivre ici, à partir de l'aéroport international d'Ondjili, où venait d'atterrir le couple présidentiel après un périple à l'extérieur du pays. Le couple présidentiel a quitté le pays depuis le 24 octobre dernier. Aujourd'hui, nous sommes le 4, c'est près de deux semaines hein, à peu près, et que le couple présidentiel regagne le pays. Vous le remarquez à cet accueil chaleureux, délirant, que le couple présidentiel est en train de vivre sur la route nationale numéro 1. Et on se demande même que Tshisekedi et sa tendre épouse vont prendre part à bord de la Jeep présidentielle à quel niveau. Parce que s'il faut continuer avec cette allure, il risque d'arriver même au niveau de la commune de Kintambo, et ce qui n'est pas aussi normal pour la sécurité aussi. Hein. Ça, il faut se le dire. Certainement que quelque part, ils vont devoir prendre part à bord la Jeep pour continuer avec le cortège présidentiel. Mais ce qui est vrai, très chers téléspectateurs, nous le disons avec conviction, la foule est immense de l'aéroport international d'Ondjili jusqu'au niveau de la commune de Kintambo. Et le président va vivre aujourd'hui que vraiment le peuple est derrière lui. Et ce peuple qui est déterminé à voir aussi hein, beaucoup de changements au niveau de ce pays. Les premiers signaux ont été déjà donnés dans la lutte contre la corruption. On a vu des grandes personnalités être arrêtés, tout simplement parce qu'ils ont détourné les deniers publics, et cela ne va pas s'arrêter. Nous avions vu le projet Tilegelou avec plus de 40 km pour la réhabilitation de la voirie ici à Kinshasa et plus de 100 km dans l'espace Grand Kasaï. Le président, quand il a lancé les travaux, ici au niveau de la terre, il avait dit cette vaste opération, ce vaste projet va s'étendre sur l'ensemble du territoire national, et nous le vivons aujourd'hui. Personne ne croyait que vers la commune de Ngiringiri, là, Asosa et consorts, ça pouvait être asphalté. Et aujourd'hui, les travaux se font d'un moment à l'autre, je crois, quelques instants, quelques mois après, le président va procéder à l'inauguration de ces différents chantiers, tant à Kinshasa qu'à l'arrière-pays. Regardez, très chers téléspectateurs, la Jeep présidentielle entourée par une masse, une foule immense, et qui roule hein, est pratiquement à pas de tortue. La Jeep qui roule pratiquement à pas de tortue, ça il faut le vivre, et nous le vivons ici à partir de l'aéroport international de Ndjili avec des images hein, qui nous sont proposées notamment par Ado Moujang qui est juste devant nous, et toute l'équipe technique ici présente à partir de l'aéroport de Ndjili avec la réalisation de Pecho Mubenga. Merci beaucoup Masela, merci. Merci pour tous les travaux faits. Merci Terence. Merci à toute l'équipe technique. Hein. Et un grand merci hein, à Freddy Moulumba qui nous a réveillés tôt le matin pour faire le déplacement de Ndjili. Nous sommes là à Ndjili depuis 7h du matin. Nous sommes habitués. Hein. C'est notre boulot. C'est notre job. C'est tout à fait normal. Voilà, l'équipe technique est là, composée de tout le monde. Il y a le son, il y a la maintenance, il y a l'editing, il y a l'électricité. Merci Clary, on vous dit. Et il y a le faisceau, il y a la liaison satellite, il y a des chauffeurs et même la régie finale. Merci à tout le monde. Merci à l'équipe QA à la RTNC Lingwala. Merci à l'équipe QA à la station de Binza. Merci à toutes les stations provinciales qui nous ont pris en relais. Merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette retransmission. Une retransmission que nous dédions à Gilles Lombo Kacheta, directeur à la direction des informations télévisées, qui nous a quittés hier, un grand frère à moi, un aîné à moi, celui-là mais qui m'a accueilli à la RTNC, il nous a quittés hier, paix à son âme. Nous dédions cette retransmission à Gilles Lombo Kacheta. Merci beaucoup. Merci.